Moi, c'est Damien Moucholi. Donc, je suis responsable de l'association La Planche Narbonnaise. C'est une association qui existe depuis 2014, qui est dédiée au skateboard. On est des skateurs, plusieurs générations de skateurs de 5 à 45 ans, on va dire. Et on est un collectif qui est en train de grossir. Et notre but, c'est de développer le skate à Narbonne et dans les alentours. Voilà. Donc nous, on représente le skate, mais au niveau du next, il y a du roller derby, il y a du VTT, du BMX, il y a de la tyrolienne, il y a du skate électrique, il y a de l'escalade, il y a du parcours, du breakdance, etc. Donc nous, on intervient vraiment sur cette partie-là. Donc sachant qu'on avait travaillé sur un projet de skatepark, là on offre un format différent, on fait une petite compète, ce qu'on appelle un game of skate. C'est une compétition de figure au sol, c'est des joutes en 1 contre 1 jusqu'à l'affrontement final en figure au sol. C'est et quoi, après... Ce qui est compté, c'est quoi? C'est les figures qui sont réussies, c'est ça? Ah ouais, voilà, forcément, ouais, c'est exactement ça. Donc c'est ce qu'on propose cet après-midi. Ce matin, on a fait de l'initiation auprès des enfants. On a eu plein de gamins qui avaient le sourire jusque-là, donc on s'est régalé. Donc concrètement, là, je crois que c'est la 5e édition du Next. Nous, c'est la 4e fois qu'on vient. On est super content que ça se passe parce que ça offre une dynamique sur les sports alternatifs. En Narbonne, c'est une ville qui, à la base, n'a pas une image super jeune. Donc là, il crée une vraie dynamique. Il nous accompagne pour nous développer, nous, en tant qu'association, pour pousser la pratique du skate. Et puis, on est heureux que les autres disciplines se développent et que ça se structure. Donc ça se passe bien. Chaque fois qu'on vient ici, on récupère plein d'enfants pour les cours de l'année suivante, pour les cours de skate qui commenceront en septembre. Je le signale au passage, on relance les cours à partir du mois de septembre tous les samedis au skatepark de Narbonne. Voilà, donc super content de la dynamique. On espère qu'une chose, que ça continue et que nous, la ville soit à notre écoute pour nous aider. On ne demande pas grand chose, mais qu'on puisse se développer, puis propager ce qu'on aime, partager ce qu'on aime. Moi, je suis père de famille et je suis content de pouvoir partager ça avec mon gamin, qu'on ait des structures, des moyens pour faire des petits événements. Voilà, pour faire le point. Mais du coup, sur la journée d'aujourd'hui, là, pour le Festival Next, en fait, ce que je propose, c'est l'initiation escalade. Donc, c'est une structure qui fait 8 mètres de haut, composée de 3 voies d'escalade, avec des assurages en permanence, en fait, en termes de sécurité permanente. C'est des systèmes automatisés, il y a les vérins derrière, et puis voilà, donc les enfants partent dans les voies, ou même les adultes, hein, et il n'y a aucun risque. D'accord ? Et en dehors de ça, donc, je propose également des activités type trottinette électrique tout terrain. Donc j'ai plusieurs secteurs et parcours dans la région, donc notamment un départ là qui est derrière le théâtre à Narbonne. Je transite le long du canal de la Robine pour aller sur l'île de Sainte-Lucie, ça c'est super. Après j'ai une prestation donc, sur le lac de Jouarre, donc je propose en fait des balades touristiques autour du lac. C'est une rando qui dure à peu près une demi-heure et c'est vraiment ludique et c'est juste très sympa. Et après j'ai un départ sur la commune de Maintenac en Minervois, au bord du canal du Midi, où je passe donc sur le Somail, donc la commune du Somail, et je vais jusqu'à l'écluse du Gaillousti, à Salène. Alors il y a des gens qui me demandent des parcours un peu plus techniques, et là donc j'interviens sur Roubia. Je monte aux pêches de Roubia, donc là c'est du monotrace dans les forêts, des choses comme ça, et voilà. Mais en général, on essaye toujours de s'arrêter soit sur un domaine, profiter un petit peu, faire une dégustation, et un petit peu dans la convivialité et sur la découverte. Voilà. Super. Donc nous sommes les Headhunters, une équipe de roller derby à Narbonne. On fait partie de l'association Narbonne Roller Sport, où il y a une école de patinage, du roller derby junior l'année prochaine, et une équipe de roller derby féminine et masculine. L'équipe féminine est en championnat de France, en National 2. Et donc nous participons depuis quelques années au Next, où on rencontre d'autres disciplines. Il y a du skate, il y a du BMX, il y a du trampoline. Et nous, on présente cette année un survival, c'est un tournoi qui oppose plusieurs équipes. Donc il y a des équipes de toute la France, il y a des joueurs de très haut niveau, des joueurs qui évoluent en Team France. Et donc c'est pour montrer ici le roller derby, un sport pas très connu mais super chouette à regarder.
Les règles sont assez compliquées. Il y a dans chaque équipe une attaquante qui a une étoile sur le casque et qui marque les points. Donc elle doit faire des tours. Ses coéquipières, les bloqueuses, doivent empêcher l'autre attaquante de passer, mais aussi l'aider elle à passer pour marquer des points. Comment l'empêche alors ? Donc on l'empêche avec son corps en formant des murs et avec ses partenaires. Donc il y a des zones où on peut, où il peut y avoir du contact et d'autres pas. Il y a beaucoup de règles. Les gens comme moi enrayés sont des arbitres. Il y en a en patin et sans patin pour garantir la sécurité, compter les points, donner les fautes. Et les joueuses qui font des fautes vont en prison. Donc voilà, ici, il y a cette année... Les réunions alors, pour la prison alors. Les réunions, presque, c'est presque ça. On est geôliers. Et donc cette année, il y a 9 équipes de 5 joueurs. Donc il y a 45 joueurs qui sont là de partout en France. Et nous, Narbonne, on organise cette année. Et on vous invite aussi à venir le 8 juillet à Sigean. On organise un match où l'équipe de Narbonne affrontera... on affronte en féminine Pibrac. Et on affronte aussi en mixte un mélange de Avignon-Montpellier. Donc on vous invite à venir à Sigean le 8 juillet à 14h. Super. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Bravo.